Et non, plus tard, parce que là, on va faire entendre Mademoiselle Christine Genet. D'accord? Ça va aller. Alors, Christine, est-ce que tu acceptes de nous faire une deuxième interprétation? Approche-toi du micro. Tu aimes mieux chanter avec le micro à la main. Et quel sera le titre de ta chanson? La voix du bon Dieu. C'est une belle voix, ça. C'est un privilège de l'entendre. Tout le monde ne l'entend pas. On va t'entendre. Alors, bravo et à tantôt. Christine, ça s'est très bien déroulé. Et maintenant, on accueille une jolie petite blonde qui a bien hâte de se faire valoir. Viens nous voir, ma belle-fille. Viens nous voir. Tu es chic aujourd'hui. Regardez-moi ça, mesdames, messieurs, comme elle est jolie. Une vraie petite poupée. Hein? C'est la première fois que tu mets cette robe-là. Est-ce que c'est la première fois que tu mets cette belle robe-là? C'est la première fois, hein? Bon, maintenant... Tu vas nous dire ton nom au long. C'est quoi ton nom au long, Véronique? Véronique de Bien. Quel âge tu as, ma belle-fille? 4 ans et demi. 4 ans et demi. Maman s'appelle comment? Denise de Bien. Bon, et papa s'appelle comment? Denise de Bien. Bien, et cet été, on va se voir. Hein? Tu vas venir au chalet, hein? Parce que son grand-papa a son voisin de chalet, ma résidence d'été, à Saint-Aimé. Tu vas venir cet été, hein? Bon, on va causer ensemble. Bon. Qu'est-ce que tu vas chanter aujourd'hui? Belle chanson des enfants. Bon, et qui t'a montré cette belle chanson-là? Qui t'a montré ça? C'est maman? Hein? Edith. Edith, c'est qui Edith? C'est ma tante, ça? Hein? C'est une ma tante? C'est ma cousine. C'est ta cousine. Bon, alors tu nous répètes le titre de ta chanson? Répète-nous ça fort, le titre de ta chanson. Belle chanson des enfants. Bon, regarde monsieur le musicien, là, puis ça va aller. On y va, bonne chance. Quel chien à voir.
Ce n'est pas la mémoire qui va lui manquer, celle-là a une très bonne mémoire, comme on l'a constaté. On accueille maintenant Michel. Michel. Bonjour Michel, ça va bien? Je pense que toi, on va te dispenser du podium, étant donné non seulement ton âge, mais ta grandeur. Ça va bien, toujours de bonne humeur? Tu nous dis d'abord ton âge, je pense que tu es 10 ans, c'est ça? Oui. Tu viens d'où Michel, toi? La Malbaie. Et ton nom au long, c'est quoi? Répète-le. Répète-le. Michel Chamberlain. Bon. Et puis, tu restes à la Malbaie, tu nous l'as dit. Tu vas à l'école en quelle année, es-tu? Ben, je vais aller en cinquième année. Cinquième année. As-tu bien hâte d'aller à la polyvalente? Oui. Oui. Et puis, ton père, rappelle-moi le nom de ton père, c'est quoi? Yvan Chamberlain. Qu'est-ce qu'il fait, papa? Il travaille à Danaoui. Bon, il travaille ici à la Danaoui. Qu'est-ce que tu as? Bonjour, Tom. Envoie la main à Tom, là. Envoie la main à Tom. C'est un grand ami, ça, Tom, hein? Il nous donne des accords de privilège de venir nous saluer. C'est un bon ami à tous nous autres, ça, hein? On va chanter, on va dédier la chanson à Tom. As-tu des objections à ça? Qu'on dédie ta chanson à Tom? Hein? Puis Tom va être content. Qu'est-ce que tu vas chanter? Je m'ennuie de toi. Répète ça. Je m'ennuie de toi. Je m'ennuie de toi. Tom, la jeune fille s'ennuie de toi. C'est pour toi qu'elle chante, Tom. Sans vraiment se parler.
On l'applaudit, mesdames, messieurs, ça promet pour plus tard, il faut continuer à chanter. Et cette fois, on va accueillir une autre demoiselle. Viens nous voir, Marjorie. Viens nous voir. Et tu vas nous dire, monte sur le podium, là. Approche-toi du micro. Et puis, regarde bien haut là-bas, le caméraman. Tu nous dis ton nom au long, ma belle-fille? Bon, répète tout ça, ça marchait pas. Marjorie? Bravo, bravo, félicitations, félicitations. Maintenant, on va accueillir Mademoiselle Anne Desbiens. C'est un peu un dessert. Les autres ont très bien chanté, il va de soi. Mais Anne Desbiens, c'est son cahier. Anne Desbiens, monte là-dessus, ma belle-fille, que j'ai eu le plaisir de faire chanter voilà déjà 3 ans à mon émission Nos futures vedettes. Et Anne avait merveilleusement bien réussi. Cette fois-ci, elle a choisi de nous chanter une chanson très difficile. Et je vous prie d'écouter les mots. Non seulement la mélodie qui est très jolie, mais aussi les mots. 2 petites questions. Ton nom au long? Anne Desbiens. Tu restes où, hein? À Cap-Alais. À Cap-Alais. Il y a longtemps que tu chantes, je pense, hein? Pas trop longtemps. 3 ans. Ça fait également autant d'années que tu apprends le piano? Presque 4 ans. Presque 4 ans, tu apprends le piano. Et cette chanson-là, tu vas interpréter. Qui habituellement la chante? Sœur Carmen. Il n'y a pas une interprète, une vedette de la chanson? Chantal Paris ne la chante pas, cette chanson-là, des fois, non? Non. T'en souvenir? En tout cas, tu es prête? Le titre, c'est le? Le pape. Oui, il est question, bien sûr, du pays d'origine du pape, la Pologne. Tu es prête? On y va. Bon, ça s'en vient. Je vous prédis, mesdames, messieurs, que cette fille, cette jeune fille, à l'exemple d'autres, dis-je bien, fera parler d'elle, dans le bon sens du mot, dans quelques années. Je vous le prédis, avec le talent que cette jeune fille-là possède, elle va faire sa marque dans le domaine de la chanson, je vous le prédis.
Sur ce, mesdames, messieurs, je retire ma révérence et je demande à monsieur Néron, est-ce qu'il a un petit mot à dire? Il est allé chercher les prix. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. C'est Léo Simard qui vous parle. Je vous souhaite bonnes vacances et je vous dis à bientôt. Assistez maintenant à la distribution solennelle des prix, comme ça se faisait autant jadis. Mon jeune confrère musicien doit se souvenir de cette époque, n'est-ce pas, Justin, où ça se faisait avec grande solennité. Alors, voici, la distribution commence. Allons-y, un mot à dire, M. Néron? Que M. Simard, je crois qu'on peut vous remercier de votre travail, et ainsi que Huguette Marin. Ça, c'est des gens qui c'est tout du bénévolat, puis c'est très, très important. J'espère que le bénévolat ne tombera pas, parce que c'est la réussite dans toutes les activités qu'on peut faire. Merci. Le travail a créé du succès. Bravo. On l'applaudit encore, mesdames, messieurs. Il ne s'agit pas de n'importe quel prix de fin d'année, chacun un beau chandail du Festival du papier. En outre, Huguette, est-ce qu'on va leur distribuer autre chose, Huguette? Oui, qu'est-ce qu'on a à distribuer? Des chips, des liqueurs. Ah, c'est pour nos amis, ça, bien sûr, qui sont ici sur la scène. Ils le méritent bien, vous savez, hein? Alors, s'il y en a toutefois qui ne sont pas présents sur la scène et qui ont chanté il y a un moment, on les prie de venir chercher leur prix de fin d'année.